Bonjour les geeks et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Et aujourd'hui nous sommes sur un jeu incroyable et excellent. Alors réponse 1, Minecraft. Réponse B, oui réponse 1 après, avant réponse B. Réponse B, Terraria en 3D. Réponse C, Overwatch. Réponse D, Fortnite. Réponse E, la réponse E. Marc, qu'as-tu à dire par rapport à tout, au questionnaire que je viens de dire? Je dirais que c'est la réponse D. C'est Fortnite. Et c'est faux Marc, on était sur Nation's Glory, parce que vous aviez tous faux, on est sur Nation's Glory. Alors pour vous expliquer le principe, c'est Minecraft, d'accord, tiens, je te rends ton briquet, c'est Minecraft avec des mods en plus, mais arrête de tout cramer. Bon, c'est Minecraft, je vais pas réussir à expliquer. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Marc en gameplay, tout ça. Non, tu arrêtes. Je suis de retour. Et sur Minecraft, c'est la première fois. Alors du coup, pour vous expliquer, c'est un jeu auquel on a rajouté des mods. Et dans ce jeu, on a chacun des morceaux de territoire. Et on a la Suisse, justement, et on doit bien s'en occuper. On est suisse, on est. On voit l'extrême droite et on mange du chocolat et du fromage. Tu te rends compte, Marc? Tu te rends compte? On vote Le Pen suisse, hein. C'est incroyable. Alors du coup, on a pas mal avancé, mais dans le terrain où on était, il y avait déjà pas mal de. Mais t'es sérieux? Il a planté des arbres, le coup. Je pensais pas que t'allais regarder. Alors du coup, oui, voilà, donc on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un endroit où il y avait des champs, notamment des plantes de canne à sucre juste ici. Du cannabis quoi, pardon? Non, c'est pas la même chose, Marc, c'est pas la même chose. Alors du coup, là, tout de suite, je suis avec Marky, mais plus tard, vous verrez peut-être CK dessus et un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante qui... On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme? Telle est la question. Qui rejoindra Nation's Glory quand il pourra. Alors du coup, quel est le programme pour aujourd'hui, Marc? C'est une question rhétorique. Tu te tais. Ah, d'accord. Bon bah je me casse, c'est ça. Exactement. Non, je rigole. Alors pour vous dire, en haut à droite vous avez la délicieuse map. Bon maintenant au milieu qui est filmé. Et ici, par ici, vous avez le Luxembourg, juste un pays, hein, comme est indiqué ici, le petit message qu'ils ont mis. C'est quoi leur phrase nulle? Luxembourg, en fait, c'est juste un pays. Ici, par ici, vous avez le délicieux Empire français, mais qui nous a bouffé du terrain d'une manière incroyable et complètement débile. Alors du coup aujourd'hui Marc, on va faire un petit peu de terraforming et discuter de tout et n'importe quoi, bah un peu à la Waka en fait. À la Crusoe, pas Waka. Les deux marchent. Oui mais Crusoe c'est meilleur. C'est meilleur, t'es sûr? Certain. Alors du coup Marc, rien pour savoir, voilà. Je vais te donner une tâche. Quoi ta tâche? Ça va être de cramer la forêt. Ça te va? Avec plaisir. La forêt en haut là? Par là, là-haut, va vers la droite. Cramer. Ouais, tu essayes de tout cramer. Tu essayes de tout cramer et tu vois les espèces de petits résidus qu'il y a au-dessus, là, tu les pètes. Celle de droite ou de gauche? Celle de là-bas, là ici. Là où ouais, justement. Ouais, là où tu vas. Et moi, justement, je vais faire du terraforming. Donc, ce premier épisode sera pas hyper passionnant en soi, mais. Mais voilà. Ça fait un Minecraft passionnant. Je sais pas. un truc avec Bob Lennon, voilà. Ouais, mais Bob Lennon, c'est passionnant pas par leur jeu, voilà. Exactement. Alors, ça dépend. Alors du coup, tu crames la forêt et tu coupes des arbres. Moi, je vais faire ici. J'ai pas l'habitude de jouer à Minecraft, c'est la première fois que je touche à ce jeu. Voilà. Non, c'est pas la première fois que tu touches. Ah, il y a un creeper. Mais non. Mais si en haut, du coup. Si tu meurs, tu rends l'argent aux abonnés. Alors non, je vais jamais mourir, tu sais. Bah de toute façon, on n'a rien à leur rendre, donc... Non, j'ai entendu une explosion, me dis pas que c'était toi. C'est le creeper, pas moi. Je l'ai cramé et il est mort. Non, mais faut pas donner des coups de briquet sur les creepers, sinon ils explosent. Non, mais j'avais juste enflammé toute la forêt, et puis... Bah il est allé dans le feu, cet abruti. D'accord. Alors du coup... Il n'y a plus de briquet.
Bon bah Du coup, écoute, oui, comme vous pouvez le voir, j'ai des trucs en adamantium qui est c'est en termes donné de de ré... base par le jeu. Non, c'est de l'argonite qui est donné de base par le jeu. L'adamantium, c'est Ah, pas donné. ok. L'adamantium, Ah, c'est... t'as utilisé les ressources que j'ai été miner pour te faire des trucs. Exactement. Bon Du bah je coup, vais oui, pisser. c'est à peu près semblable au diamant, quoi. Et je suis en train de défoncer par tranche cette montagne. Je Malheureusement, on n'a reprends tes clés dans le coffre. Hein. pas encore de TNT. Même Mais chose, donc, ça n'aurait pas été des masses utiles, la TNT. Est-ce que ce serait pas mieux de couper en fait les arbres? bah vas-y, coupe les arbres. Du moment Ok, je vais tout que ça brûler. part, du moment que ça part, franchement, Je vais du tout moment que ça brûler. part. Bim! Ça, c'est de la limestone, ça sert absolument à rien. Alors oui, du coup, on n'est pas vraiment là pour présenter les blocs, tous les trucs des mods, mais ce let's play, je suis sûr qu'il va être génial parce qu'on est à plusieurs. Ça, c'est cool. Ah, oh, des bugs. On est beaucoup. Il sera peut-être pas génial pour vous, mais nous on va kiffer. Voilà. Voilà. Et puis Exactement. si vous kiffez, good enough. Grand bien ou fast. Et oui, j'ai oublié. Oh, pas bourré. Ah, J'ai et. oublié. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai une soundboard, ce qui fait que je peux à tout moment faire ça. Non, non. Spam pas. Alors, je baisse un peu mon son du coup. Juste Axel, on peut préciser que 1, on n'a pas le droit de vote, donc on ne pourra pas voter Le Pen, et que 2, on ne voterait pas Le Pen. Parce que tu sais qu'il y en a qui prendront ça au premier degré, tu le sais. Oui. En même temps, nos abonnés et l'intelligence, c'est pas. Faut pas qu'ils sachent qu'on vote ça. Ils sont Non, sans ne. plaisir, sans gibier. Il aime les fleurs, connaît la Connaît forêt la par forêt par cœur. cœur, il est con. Con. Ah, des références que vous n'avez pas. Parce que vous Ah, êtes pour la plupart. inculte, voilà. Alors, c'est pas comme ceux qui connaissaient pas les Geek Theories, dont nous ne précisons pas le nom, la date, tout et n'importe quoi, mais voilà. Alors, Sans okay. sur ce let's play, vous trouverez juste tout et n'importe quoi, des anecdotes, et puis du Minecraft, du Nation's Glory, voilà. En fait, il veut pas vous le dire, mais c'est un énorme plagiat de Bob Lennon. Pas exactement. Être sur Minecraft et discuter, ça veut pas forcément dire qu'on plagie Bob Lennon. Et puis en Ok, plus, Bob ne très fait bien, plus de Quentin. Minecraft. Ah. T'étais obligé de le préciser. Non, mais de toute façon, Fanta il a arrêté. Moi je fais pas encore de vidéo Il sur a le pas arrêté, Bitcoin. il est revenu. Mais oui, il a arrêté Minecraft. Et moi je fais pas encore de vidéo sur le Bitcoin, alors ça va. On verra plus tard. Pas si vous avez assez de lumière, je vois. Oui, non, parce que nous on fait Non, au mais je viens pas de la pif. forêt, donc. Qu'est-ce qu'il y a? Très Comme la bien. forêt? Oui, je pense que tu parlais de lumière. Et du coup, moi, je suis en mode bah non, j'ai de la lumière, je suis en train de cramer la forêt. D'accord. Alors, il va falloir, bientôt falloir que je me refabrique une pelle. Du coup, Max pouvait pas venir à cause d'un petit problème de casque, de ce que tu m'as dit, c'est ça? Oui. Bah, son casque, en fait, oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais CK a un nouveau stuff, enfin, de nouveau matériel. Oh non, j'aime pas ça lag. Un nouveau matos. Un nouveau matos, et en fait, son casque, il est en mode Bluetooth sur son ordi, et du coup, il doit le recharger. Hey. Et là, là, son casque, il était déchargé, du coup, on a décidé de tourner le premier épisode sans lui, c'est pas très grave. Il s'y fera, il s'y fera. De toute façon, il n'était pas important. Je vais me faire détruire. Ça va, c'est Maxence, Il va appeler Liam pour me tuer. c'est pas le plus grand danger du monde. Même temps, un nain, c'est pas trop un danger, ça. Ouais, par contre, un géant. Le petit elfe des forêts. Alors ça, pour vous expliquer, ça vient d'un de nos délires qu'on avait entre potes, parce que on a un ami qui est Des très amis, petit, hein. on a un ami qui Des est amis. très petit dans notre Collège. collège, oui, dans notre crew, dans notre équipe de potes, tu vois. Et justement, bah, on l'appelle le petit elfe des forêts, parce que le Japon, tout simplement. Tu n'as rien vu, hein. Non, oh, mais j'ai failli crever, Marc. Le feu, tu l'as fait trop proche de l'endroit où je terraforme.
Bah en fait, je suis mort. Mais non. Est-ce que t'es sérieux seulement? Parce que t'as trop creusé et du coup, je suis mort comme une... T'es mort de chute? Oui. Mais il est nul! Oh le sac! Ta gueule. Là, tu peux pas dire que je plagie Bob puisque Parce que c'est Porto, parce ah que c'est la réalité. hein. Tu l'as Bon cherché. bah. Si, faut que je détruise ma tombe, c'est ça? Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Ça aussi, je l'ai. Non, Bah, arrête faut que d'espérer. tu faut que tu retrouves ta tombe et que tu la Je l'ai casses si tu retrouvée. peux. Ouais, voilà. Du coup, faut que je me rééquipe. Oh. Bon, Allez, du vous coup, aurez tout pour une note. n'hésitez pas à proposer dans les commentaires le nom de la série parce qu'on va l'appeler La Suisse sur Nations Glory, hashtag 1. On aurait des meilleures idées de titres. Si vous en avez des meilleurs, dites-le dans les commentaires. Ou alors, on fait un débat tout de suite pour. Toi, tu proposes quoi, Marc? Tire sur mon doigt l'émission. Oui, parce que le petit message qu'on voudrait faire, c'est de tirer sur mon doigt. Ouais, ce serait pas mal. Si on a réellement une émission qui s'appelle Tire sur mon doigt, ce serait la meilleure émission. Mais oui, ce serait la meilleure émission, la plus vue de la chaîne. Allez, on appelle le truc tire sur mon doigt, c'est. Proposez rien en commentaire, c'est tire sur mon doigt. Je te jure. Faut que tu t'occupes de ça, hein, de changer le message. Oui, Alors, pardon, je pour sais pas changer le comment on fait, message. je sais pas comment on fait, faudrait que je demande plus tard hors cam, je le ferai. Hors cam, À je le quelqu'un ferai. qui sait, qui s'y connaît sur le jeu, parce que Axel et moi, on ne connaît rien à ce p*** de jeu de Moi, merde. j'en connais un peu, mais Maxence en connaît beaucoup plus que moi. C'est le seul qui s'y connaît. Moi, je sais rien. Je suis juste là pour être un péon et profiter d'un Minecraft gratuit. Ouais, c'est un Minecraft avec un gameplay changé, mais donc, ouais, il est gratuit. Oh! L'Empire portugais, il arrête pas de tuer des gens, ça c'est incroyable. Et ils Regarde. sont loin. Oui, ils Oui, sont je loin, vois ça t'inquiète dans pas. le chat. Mais ils sont en train de buter l'Empire. Enfin, ils sont en train de buter. Pour conquérir l'Uruguay. L'Uruguay. Pas enfin, Uruguay. Oh là là. Ta gueule! Excuse-moi, mais. C'est bon, il est Non, mort. mais même moi, ça me fait rire cette pire. Bon, j'ai bientôt plus de pelle. Je vais être obligé de repiocher dans le Sinon, butin de je te file la marque. mienne. Non, c'est une pelle en quoi? Oh, je vais mourir et je suis mort. Non. Encore. De feu. Goodbye, my friend. Ah, bon, Je elle est pue pétée. la merde. En même temps, t'es Marc. Hein. Bah tiens, pour à peine, je mange un lion. Oh! Non. Ah merde. Placement de Ah. produit! Ok, re, chers amis, on a eu un petit problème. Un problème que. Marc, j'en ai aucune idée c'était quoi ton problème, mais Alors, tu le en as petit eu un. problème est que, 1, ma mère m'a appelé, 2, je suis descendu, j'ai préparé un verre d'ice tea pour quelqu'un que je ne connais pas et je ne sais pas si tu es là, et un café pour ma mère. D'accord. Très passionnant ta vie, Marc. Exactement, c'est pour ça que je joue à un Minecraft gratuit. Et j'ai Et perdu ma tombe, je crois. on dirait que tu fais la sponsor pour le jeu, en fait. Gratuit! Est-ce que je suis juste un Minecraft enfant? gratuit, téléchargé Minecraft! Nations Glory. Donc entre C'est deux, pas vrai que c'est un jeu! j'ai eu le temps de me refabriquer une délicieuse pelle. Attends, tu prends dans mon stuff, sauf que je suis mort! Ouais. Et je me suis Ouais, encore ouais, ouais. cramé, mais quel abruti je fais! Mais non. Je suis pas mort pour le moment. J'espère. Tout est T'as dans le de la flou pour le nourriture moment. au moins? T'as de la nourriture? Sinon, je l'en passe. Bah dans mon stuff, sauf que je suis mort. Et je dois chercher où est ma tombe. Oh le sac! Ah la voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut leur expliquer un petit peu le principe de tout ça, Vas-y, du explique, jeu? explique. Bah c'est toi, c'est ton problème ça. C'est pas moi qui Bah, l'ai fait. d'accord, dans ce cas, je le fais pas, j'ai la flemme.
Alors, le principe de tombe. Contrairement à Minecraft, votre stuff, quand vous mourrez, n'est pas direct. Ah, mais non. C'est n'importe où. Ouais, c'est quand tu meurs, ça crée une tombe. Et quand vous cassez cette tombe, vous récupérez un stuff. Non, non, mais ça, c'est le principe de un des modes, en fait. C'est le mode Grave. Faut dire que c'est grâce au jeu, comme ça on sera payé. Ah, c'est grâce au jeu. Comment ah, on pour les geeks à l'aventure Tu peux venir, Axel? Oui. Tu te rappelles quand j'avais fait pousser des arbres sans... Malheureusement... Marc. Tu vas me péter cet arbre tout de suite. Et je veux plus aucune feuille. Axel, regarde-moi. J'ai rien fait. C'est sûr. T'es pas mort. J'ai fait slash. Je suis retourné au menu. Enfin, à la... Au spawn. Non, oui, au spawn. Ouais, mais ça t'avance en rien. T'as rien à faire au spawn. J'ai voulu mettre slash home là et ça m'a mis slash emo. D'accord. Bon, Marc, je m'en fous, tu vas me péter cet arbre tout de suite parce que moi là, en attendant, j'ai pas de hache. Je peux le cramer. Non, parce qu'il y a des plantations à côté. Bon, bah, tu te débrouilles. Ok, vas-y, crame-le. Bon, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd alors. Oh oui, il faut préciser, Axel, viens là. Viens ici, viens. Où est cette mine? Avant, il y avait une belle entrée en bois et tout. Oui, il y avait une très belle entrée en bois, sauf que lui, il a fait quoi? Il a fait... Ouais. C'est tout ce qu'il a fait. Exactement. Le pire, c'est qu'elle était prête pour nous, mais toi, t'as tout cramé. Un plagiat du Lennon fini. Bon, alors, c'est du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu péter ça. Tu vas aller au Geek Ferries uniquement pour aller le rencontrer. Non, pour aller rencontrer joueur du grenier, tout ça. D'ailleurs, je vous mets les photos délicieuses et incroyables que je partage avec tout le monde. Je vous mets les photos là tout de suite. Au montage, si j'y pense. Si t'es pas trop crevé pour le faire. Oh non, je viens de me dire un jeu de mots nul. Quoi? Tu vois, j'ai dit si j'y pense, et je me suis dit en fait c'était un gars, il s'appelait Pense, et puis il est mort. Et sur sa tombe, il y avait écrit ça. Axel? Oui. J'arrive. Où es-tu? Ah, si tu me crames, non. Mais non, je vais pas te cramer. Qui crame ses amis? Marc. D'accord. Tiens, bah attends, mais non! Crame des affaires! Tu t'es cramé toi-même, comme un... En plus, moi j'ai quasiment pas perdu de vie! Moi non plus, haha! Bah, on est en France là, là t'es en France! Ah, d'accord! Bah, tant mieux, enfin, j'habite dans un pays nul. Toi aussi, tu es en France, Axel. Non, non, mais Nations Gallery. Je te troll et oh merde. D'ailleurs, Marc, j'aimerais que tu fasses un truc pour m'aider. Déjà, t'as un peu cramé la forêt, c'est pas mal, mais Axel, regarde faire, dans l'air. Regarde la forêt. Oui. Tu vois pas qu'il y a des centaines de bûches qui traînent en l'air? Oui, alors. Soit tu t'occupes de péter ces bûches. Soit tu t'occupes de creuser un peu la montagne avec de péter un peu la terre qu'il y a sur la montagne. Sur ou comment? Partout. Détruis cette montagne. Avec un jeu qui lag, bien sûr. Parce bah, que mince. Il est gratuit. Oui. Il va sortir comme bêtise. Je suis là. Non, c'était fini. J'avais sorti une blague nulle. D'accord. Alors, une hache. Si tu veux, j'ai une pelle en adamantium. Et une pioche aussi en adamantium, c'est une qualité au-dessus. Tiens, je te la donne. Je les donne, derrière toi.
Bonjour. Ah, est-ce qu'elle est bien? Elle est bien, elle est bien. Ok, elle est pas mal. Moi, je me fais une hache en adamantium. J'espère que Maxence ne sera pas trop énervé qu'on ait pris presque tout le stuff en adamantium. De toute façon, il vient des Émirats Arabes Unis. Il a rien à dire. Ça sort de mon pays. Juste avant de dire. Retourne dans ton pays, n'est-ce pas? Alors, explication, non, il vient pas réellement d'Émirats Arabes Unis. C'est dans un autre serveur, il dirige ce pays-là, dans un autre serveur de Nation. Il dirigeait avant de se faire détruire comme la dernière des... Non, il s'est pas fait détruire. Bah, l'ONU l'a viré. Ah non, 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 c'était dans un autre pays, maintenant il gère bien avec ses potes. T'es avec lui? Oui, oui. Retombe dans son pays. Non, non, mais... Mon pays, c'est la Suisse. Dans ce serveur, je suis la Suisse. Je suis même le maître de la Suisse. Je suis le... Sa majesté, le roi des Belges. Ça vient de quelque chose qu'on avait eu en cours. C'est des private jokes, les gens, si vous comprenez. C'est des private jokes, c'est des private jokes. Mais c'est juste que tu veux... Ouais. On va pas raconter toute notre vie aux gens, parce que sinon, ils vont être très rapidement déprimés. Mais... Ils vont se dire, oh mon dieu, leur vie est trop bien. Pas sûr. Pas sûr. Mais pas si, sûr. Évidemment. Hein. Oh les abonnés, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. Pour le référence. Alors, hashtag la vie de Marc et Axel est passionnante. Putain. La rage de Marc. Pam, pam, pam. Oh, c'est quand tu te fais tuer alors que t'es premier. Juste à cause d'une erreur de palmier. Et que tu n'as pas de suite pour cette musique. Et ça fait... Et t'as l'air... Aïe. Est-ce que tu aurais pas des torches? Excellent. Va en chercher, moi j'en ai pas beaucoup et je suis beaucoup trop haut pour que tu viennes me chercher. Comme diraient nos amis d'un autre pays, sous cabriat. Sous cabriat. Donc, quand c'est pas une insulte, sous cabriat. C'est un juron. Ils savent pas parler russe. Ouais, ouais, mais ne pas savoir parler russe ne veut pas dire ne savoir dire aucun mot en russe. Oui, alors, mais moi je sais dire pliviette. Ils sont d'une intelligence inférieure, Axel. Comprends ça. Oui, mais toi non plus, tu sais pas parler russe, de toute façon. Donc... Bah si, évidemment, hein. J'ai fait 8 ans de russe. Dans quelle classe? La 42e? Oui, à quel âge, bien sûr, hein, parce que... Bah, 42 ans. Oui, donc tu n'as jamais fait de russe, ça n'a rien vu. Mais si, mais si. Marc, le russe. Pas vraiment russe. Bah normal, je suis belge. Ouais. Oui. Attends, petite pause, je reviens après. Continue. Ok, ellipse. Re, alors, Marc, nous sommes bientôt. Attends, oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, termine ta phrase, c'est bon. Non, 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 vas-y, vas-y. De toute façon, je me suis gouré. Complètement gouré. Okay. Donc, moi, je viens d'apprendre quelque peu plus sur le gars inconnu dont je parlais tout à l'heure. Cet homme est un Suisse. Réellement. Oh qui vient de Suisse. Oh, logique Et en fait, il devait faire un petit tour du monde. Et du coup, ma mère l'avait pris en stop. Et du coup, ma mère doit l'amener vers une gare, ce qui est pas loin. D'accord. Passionnant ta vie. Commentez avec le hashtag la vie de Marc et Axel. Passionnante. Je déteste ma vie. Vraiment, tu fais tout pour le référencement. T'es vraiment qu'un vendu. Un vendu et un vendeur. Je déteste tout autant ma vie. J'arrête YouTube à cause de cette blague. Ce sera un excellent titre de vidéo, ça.
Vidéo putaclic, évidemment. Évidemment, évidemment. Exactement pas les le titre que l'on ferait, nous. Bien évidemment, non. Marc. Pourquoi notre vie est aussi nulle? Why the fuck not? Ça fera un bon titre de philosophie. Ou avec un prof avec un prof dépressif. Avec un prof dépressif, bien sûr. Vous avez 4 heures. Ah. La vie, cette sale race, vous avez 4 heures. D'où ça vient, Axel? A. L'Hollywood. B. Palma Show. C. Bob Lennon. D. La réponse D. Il y a un bouton qui permet d'appuyer sur un bouton. Je dirais que c'est la réponse D. Et c'est raté, Axel. Ah là là, c'était le Palma Show. Non, mais je le savais. Bien sûr que je le savais. Vous remportez une lacération. Sur vous ou n'importe quel membre de votre famille. Marc. Oui. Non, je sais même pas ce que ça veut dire une lacération. Une lacération. Lacération des balls, si tu préfères. Ah, castration. Ce que je dis n'a sûrement aucun sens, mais good enough. Oui, bah en même temps. En même temps, c'est pas pour rien qu'on t'appelle Marc. Alors, t'es où toi du coup là? Dans la mine. Ah, t'as choisi de creuser l'intérieur de. Bah, oui. Moi, je te demandais juste de péter la terre qui était par-dessus. Et juste non, la terre. Regarde, j'ai fait un trou jusqu'à la mer. Je suis près de la mer. Non, faut pas aller par là, c'est l'Italie. Écoute, j'ai fait un trou vers l'Italie. Bon, allez, viens par là. Viens par là. L'Italie, ils vont voir ce trou, ils vont faire ah. Alors. Non, et on va faire ma. Pourquoi tu as essayé d'envahir? Mamma mia. Pepperoni. On est des gens pas hyper gentils. Alors viens là du coup. Bah si, on est très gentils, Axel, hein. Ah là là. Évidemment. Et oui, du coup, pète pas la pierre. Pète tout sauf la pierre et défonce-moi cette terre. Et après, on s'occupera de la pierre. Bah pourquoi? Parce que le Japon. Non, sérieusement, c'est... Toute la terre. Oui, ça y est, toute la terre. De toute façon, on n'arrivera pas aujourd'hui, mais on fait un peu de terraforming parce que une fois qu'on aura un terrain bien plat, bien net, on pourra installer des maisons. Et tu sais ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura des maisons? Une vie normale, enfin... On pourra faire un village. On pourra faire un village. Et tu sais ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura un village? On pourra gagner de l'argent et on pourra se faire noter par les modos. Et plus notre notation est forte, plus on augmente dans le classement. En premier, là, je crois que c'est l'Empire australien, mais je suis pas sûr. Real Talk, hein. Ah, ok. Je m'appelle pas Jean Dugrenier. C'est justement pour ça que je fais du terraforming, en fait. Ah, je crois que c'était juste pour avoir plus de place. Oui, aussi, mais... Quoi, j'ai du coton. J'ai du coton. Je pense qu'on va, ça va me prendre du temps pour tout terraformer, tout enlever cette terre. Oui, je sais, évidemment que ça va te prendre du parce temps. Parce que là, ouais. Je creuse dans la montagne de la terre. Nous sommes les nains sous la montagne. Creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas cette là, ce passe. Vas-y, je t'aide. Attends, je sais. Pour s'organiser, toi tu pètes la terre, moi je pète la pierre. On n'a pas un larbin ou deux pour nous aider? Non, je crois pas. Par contre, faudrait que je vérifie. Par contre, j'ai une pioche très très nulle. Donc je vais changer de pioche. Une pioche de quel matériel? En étain. Ah, c'est mon ancienne. Ouais, elle mine très très lentement. Donc j'en fais une en adamantium. Non, mais j'en ai une sur moi, celle que tu m'as passée. Non, bah garde-la parce qu'elle est pour toi celle-là. Ah d'accord, bon bah... Oui, j'ai gagné une pioche. Oh. Et Arthur, du coup, viens là, on a besoin de toi, on a besoin d'un larbin. On a besoin de ta tête. Parce qu'il a une tête de pioche. Tu sais ce que c'est qu'avoir une tête de pioche? Il me semble que c'est être borné.
Exactement. Des têtes de pioche. On n'en fait on plus. Peut pas eu. Que faites-vous? Portez-vous les. Mes doigts lui. Ça faisait longtemps. Je pense pas que le terraforming ça intéressera grand monde, mais on leur montre juste pendant un petit épisode et. Bon bah Marc, ça va bientôt être l'heure de se quitter avec nos chers abonnés. Déjà. Oui déjà. Pardon. Bob réagit de la même manière. On a encore fait de blagues sur les juifs, les noirs, les arabes. Non mais c'est pas nécessaire tout ça. C'est sûr parce que j'en avais plein. Alors est-ce que tu connais. Cette vidéo a été détruite par YouTube. Évidemment. Ah mais non, j'en ai marre. En plus je lag donc voilà. Ah toi aussi. C'est le serveur qui bug à mon avis, ils vont bientôt le redémarrer. Ah, oui. Du coup viens par ici faire l'outro Billy Billy. Trouve-moi. Hey, je t'observe depuis tout à l'heure en fait donc bon. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez la marque Vision. Dans les plantations. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez la marque Vision. Non, ne te suicide pas. Non, je voilà. Non, mais arrête de saccager le champ, arrête de saccager le champ. Bon, du coup, c'était Marc et Axel, délicieusement, et on vous dit à plus, et bye, comme on dit dans le milieu. B***ez vos mères. Soukablat.